suis venu de Suisse au Maroc, à Casablanca, pour l'inauguration officielle de notre boutique, je dirais notre plus importante boutique en Afrique, pas seulement au Maroc, mais en Afrique également. Et chaque boutique est très importante pour la marque Hublot, évidemment. Et d'être présent ici et de marquer cet événement fort pour une présence forte de la marque ici à Casablanca et au Maroc, c'est très important. Je suis le directeur régional pour Hublot pour le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Amérique latine et les Caraïbes. Pourquoi le choix du Maroc ? Tout particulièrement parce que notre clientèle, notre plus grande clientèle dans toute l'Afrique du Nord, c'est les Marocains. Ils apprécient particulièrement notre marque. Et en vue du partenariat qu'on a avec Mister et la famille Sefrioui, c'est tout naturellement qu'on a voulu ouvrir une boutique à Casablanca. Alors, les clients marocains sont tout simplement, je pense, des gens qui ont bon goût, qui aiment le luxe en général. Et notre présence au Maroc depuis déjà une quinzaine d'années a fait qu'on a renforcé énormément notre image de marque. Et la clientèle marocaine nous adore parce qu'on est présent et on est là pour eux. Alors, cette série limitée, elle a été inspirée de la tendance de la clientèle locale. C'est-à-dire, on a créé une classique fusion en 42 mm, 42 mm étant vraiment la taille de montre qui est très appréciée ici au Maroc. La boîte est faite en titane avec une lunette en or, avec un cadran gris soleillé, avec l'aiguille de la couleur du drapeau du Maroc. Et sur la glace de fond, on retrouve l'emblème du drapeau du Maroc sur la glace de fond. Donc.